tout seul aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc là vous voyez que je joue à Clash of Clans, mais de nuit. Donc voilà, c'est une vidéo que je vais sortir sur ma chaîne secondaire, voilà, pour vous montrer Clash of Clans de nuit. Donc vous voyez que c'est assez joli, vraiment assez joli. Qu'est-ce que je vais vous montrer de plus? Ah oui, donc voilà, c'est une vidéo très très courte. Je vais vous montrer toutes les formes, toutes les au niveau du visuel, enfin ce qui change la nuit par rapport à Clash of Clans normal. Déjà, bah, si vous regardez là, déjà, vous voyez déjà que ça change un petit peu, enfin beaucoup même. Là aussi, là aussi, là aussi. Donc vous voyez, en gros, que ça change, ben voilà, tout change. C'est vraiment pas mal. J'espère donc, voilà, qu'ils mettront ce mode sur Clash of Clans, ce mode de nuit, parce que c'est vraiment pas mal. Genre par exemple, à partir de 23h ou de minuit, je pense que ce serait vraiment pas mal. Donc là, je vais vous montrer une petite attaque. Ah, je sais pas si je joue. Ah, je sais pas, ouais. Rentrez, rentre. Attendez, est-ce que je vais pouvoir vous montrer une petite attaque du clan? Non, pas avantage. Journal de guerre. Ah, parce que la dernière, j'ai pas attaqué. Parce que je pouvais pas. Mais est-ce que quelqu'un a fait une garde de un full dragon? Attendez, on va voir celui-là s'il a fait un full dragon. S'il a utilisé. Non, pas celui-là. Est-ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une attaque. Avec des dragons, parce que vous allez voir le. Ah, par exemple celui-là. Parce que vous allez voir, donc un petit suspense, vous allez voir la flamme des dragons, c'est vraiment très 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 joli. Donc regardez. Donc l'ennemi des barbares pour attirer le château de clan normal. Et vous allez voir les dragons qu'il va mettre après. Vraiment le feu est très très joli. Regardez. Vous allez voir dans quelques secondes. Donc dès que vous allez mettre quoi en fait. Donc. On accélère un petit peu. Voilà, il a mis tout. Il a mis tous les dragons. Et là, vous voyez, c'est magnifique. Enfin, magnifique, c'est vraiment pas mal. Comparé à Clash of Clans du jour, Clash of Clans de nuit, c'est vraiment pas mal, je trouve. C'est vraiment très très joli cette flamme bleue. Vraiment très très joli. Donc voilà, j'espère que Clash of Clans mettra 5 jours. Par exemple à une heure précise ou dans les options hein, parce que peut-être il y en a qui n'aiment pas, voilà, je pense que ce serait vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère qu'ils mettront ça bientôt. Si vous voulez que je vous explique comment j'ai fait, bah, tout simplement vous me dites dans les commentaires, je ferai une vidéo spéciale dessus. Sinon pas de soucis, enfin sinon voilà, je vous aurai une prochaine vidéo sur pour savoir comment faire une attaque avec avec des troupes infinies si vous voulez. Le nombre de troupes que vous voulez. Donc voilà, je vous laisse ce petit gameplay, il reste 56 secondes. Hein, 50 secondes. Donc voilà, avec le nombre de je vais vous faire un petit tuto donc prochainement sur le nombre de troupes. Enfin, vous pourrez attaquer n'importe quel village avec un nombre de troupes. Avec un nombre de troupes, excusez-moi, illimité. Donc ça sera vraiment pas mal. Enfin, ça sera vraiment pas mal. Pour vous en tout cas. Mais en tout cas, moi je pense que c'est pas mal. Donc vous voyez que ça change par rapport à Clash of Clans de jour. Je trouve vraiment que c'est vraiment pas mal. Ah, pourquoi là tu viens de bugger Clash of Clans? Mon logiciel, c'est pas. Oups. Excusez-moi. Hein. Ouais, il reste 26 secondes. Je vais accélérer. Donc voilà, vous voyez la petite attaque. Donc vous voyez que Clash of Clans nuit, c'est vraiment pas mal. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, sur ma chaîne principale ou secondaire, de toute façon sur les deux normalement. Donc voilà, allez, à plus.